Alors, oh, j'avais pas vu que ça arrivait, Claritz, qui disait, quand je bouquine Ice Cubes, parfois en chantant, parfois en faisant le maquillage et parfois en lisant les commentaires. Oh, ça c'est sympathique. Allez, la dictée qui grandit. Lynn, j'aime regarder Seinfeld. Alors là, Lynn, on pourrait avoir des discussions très intéressantes sur Seinfeld. J'adore Seinfeld, mais ça dépend. Il y a une période. Personnellement, Lynn, mon personnage préféré dans Seinfeld, ça n'est pas Seinfeld, mais c'est George. George est délicieux et incroyable. Allez, on y va avec la dictée qui grandit. Alors, si vous avez eu l'occasion de faire cet exercice, la dictée qui grandit, eh bien, c'est une dictée qui grandit. Elle commence doucement et elle devient de plus en plus longue, bien sûr, c'est une phrase. Attention, et on commence maintenant. Il faut vraiment que je lui dise. Il faut vraiment que je lui dise. Écrivez la phrase. Alors, on regarde, effectivement, non, c'est bien écrit. Faites attention, chère Eline, pour il faut, hein, ça n'était pas il fait, mais il faut, FAUT, vraiment que je lui dise, et effectivement, ici, c'est le verbe dire, mais le verbe dire doit être au subjonctif présent. Dise, D-I-S-E. Il faut vraiment que je lui dise. Et bien sûr, c'est le concept de cet exercice. La phrase devient de plus en plus longue. Il faut vraiment que je lui dise ce que je pense de ses actes. Attention, c'est ici, c'est le possessif. Il faut vraiment que je lui dise ce que je pense de ses actes. Allez-y, écrivez la phrase. Alors oui, hein, la difficulté, ouais, je vous avais dit que c'était le possessif, hein, parce que c'est le possessif, troisième personne du singulier, c'est S-E-S. On pourrait l'entendre comme c'est le démonstratif, C-E-S, c'est toujours la difficulté. Ici, c'était clairement le possessif, c'est-à-dire possessif, troisième personne du singulier, pour le pluriel, S-E-S. Il faut vraiment que je lui dise ce que je pense, P-E-N-S-E, de ses actes, S-E-S, et puis actes, et bien sûr, au pluriel. Allez, ça continue avec la phrase qui n'en finit jamais. Et c'est la troisième partie, c'est la dernière, ne vous inquiétez pas. Il faut vraiment que je lui dise ce que je pense de ses actes et à quel point j'ai été blessé. Il faut vraiment que je lui dise ce que je pense de ses actes
et à quel point j'ai été blessé. Allez-y, écrivez la phrase. Alors, Cosmina qui nous dit, il y a deux chaînes que je regarde à la télévision. Une chaîne pour les infos et l'autre pour les films roumains 24 heures, Ciné Marathon, qui porte bien son nom. Probablement des films à l'appel. Très bien, merci beaucoup en tout cas. Allez, on finit avec cette phrase qui est assez longue. Il faut vraiment que je lui dise. Ça, c'était la première partie. Ce que je pense de ses actes. Ça, c'était la deuxième partie. Et à quel point? Point est masculin. Donc, quel doit être au masculin? Q-U-E-L. D'accord? J'ai été blessé. Ici, l'idée, c'est d'avoir le verbe blesser. Blesser est un verbe régulier, B-L-E-S-S-E-R. Là, on doit mettre ce verbe blesser au passif. Mettre un verbe au passif, ça veut dire utiliser être. Je suis blessé. Ça, c'est du présent parce que vous mettez être au présent, je suis. Ici, nous voulons mettre blessé au passé composé. Quel est le passé composé du verbe être? J'ai été. J'ai été, ça va être la première partie. Blessé, ça va être la deuxième partie. Vous avez le verbe blessé au passif. Passé composé, j'ai été blessé. Et la phrase intégrale, eh bien, c'est une phrase assez longue. Il faut vraiment que je lui dise ce que je pense de ses actes et à quel point j'ai été blessé. Félicitations, merci beaucoup. Allez, la douceur du jour, youpi youpi, la douceur du jour. Well, in that case, I thought it would be extremely important to talk about la crème frangipane. La crème frangipane, so per se, it's not really a pastry or something like that, something that you will find inside the pastry, but it is extremely important. La crème frangipane, on va découvrir ça ensemble. So let's discover la crème frangipane together. Numéro 1. Numéro 1. La crème frangipane est une crème incluant des amandes qui entrent dans la composition de la galette des rois. La crème frangipane est une crème incluant des amandes qui entre dans la composition de la galette des rois. Please write the missing things. Thank you.
Allez, on regarde ensemble. So let's have a look together. The first thing is frangipane. Hein. Frangipane, as you can see, you write it F-R-A-N-G-I-P-A-N-E. After that, we have amande. Now remember that amande is a substantive. It's feminine, but in that case, it's plural. A-M-A-N-D-E-S. Des amandes. Then after that, composition, substantive, feminine, C-O-M-P-O-S-I-O-N. And finally, galette, another substantive, a noun, and it's feminine, une galette, G-A-L-E-T-T-E, oh, la galette des rois, la galette des rois. I love so much frangipane, it is dangerous. La crème frangipane est une crème incluant des amandes, qui entre dans la composition de la galette des rois. Numéro 2. Elle est composée de 2/3 de crème d'amande et 1/3 de crème pâtissière. À ne pas confondre avec la crème d'amande seule. Elle est composée de 2/3 de crème d'amande et 1/3 de crème pâtissière. À ne pas confondre avec la crème d'amande seule. Allez, she write the missing things. Alors, let's have a look together. And of course, this is the reason why it's slightly different. And the difference between la crème d'amande and frangipane, it's just this crème pâtissière that you squeeze. It's like few million calories on the top. Alors, the first word that we're looking for was composé. Composé should definitely be in the feminine form because it is connected to elle. To frangipane, composé, C-O-M-P-O-S-E, accent aigu, E, composé. After that, it's tiers. Tiers, remember that it's a substantive, it's masculine, un tiers, le tiers. You write it T-I-E-R-S. Then, pâtissière. Pâtissière, it's the adjective here, so remember that it will be connected to crème. Crème is a feminine noun, so pâtissière. The adjective should be in the feminine form. P-A, accent circonflexe, T-I-S-S-I-E, accent grave, R-E. And then confondre, hein, the infinitive, c'est O-N-F-O-N-D-R-E. Elle est composée de 2/3 de crème d'amande et 1/3 de crème pâtissière, à ne pas confondre avec la crème d'amande seule. Numéro 3, number 3. La recette de la crème aurait été donnée par le comte César Frangipani en cadeau de mariage à Catherine de Médicis qui allait épouser le roi de France Henri II. La recette de la crème aurait été donnée par le comte César Frangipani en cadeau de mariage à Catherine de Médicis qui allait épouser le futur roi de France Henri II. Please write the missing things. Oh, Gigi nous rejoint. Bonjour Gigi, comment ça va? Est-ce que tu as passé un bon week-end, Gigi? Oui. Oh, she had a nice weekend, apparently.
Allez, let's have a look at the missing things. So the first one is recette. Hein. Recette, remember, it should be in the feminine, oh, in the feminine form. It's a feminine noun. R-E-C-E-T-T-E. Then after that, another substantive that is masculine in that case. Cadeau, C-A-D-E-A-U. Mariage, mariage, it's another substantive. It's masculine. Un mariage, le mariage. M-A-R-I-A-G-E. And finally, futur. Futur should definitely be here in the masculine form. Remember that it could be feminine, hein? But it's connected to roi. D'accord? So roi is masculine, so futur will be in the basic masculine form. F-U-T-U-R. La recette de la crème aurait été donnée par le comte César Frangipani en cadeau de mariage à Catherine de Médicis, qui allait épouser le futur roi de France, Henri II. Numéro 4. La recette est sans doute antérieure aux tourtes de Frangipane et tourtes de crème d'amande attestées en 1651 par François-Pierre de la Varenne. La recette est sans doute antérieure aux tourtes de Frangipane et tourtes de crème d'amande attestées en 1651 par François-Pierre de la Varenne. Allez-y. Allez, let's have a look at the missing things. The first one is doute. You've been writing it quite well, in fact. Félicitations, D-O-U-T-E. Antérieur should definitely be in the feminine form because it is connected to la recette. Antérieur will be in the feminine with the final E, A-N-T-E, accent aigu, R-I-E-U-R-E. And finally, it was the year and it was 1651, 1651, 1651. La recette est sans doute antérieure aux tourtes de frangipane et tourtes de crème d'amande attestées en 1651 par François-Pierre de la Varenne. Numéro 5. L'arbuste appelé frangipanier partage avec la crème frangipane son parfum, mais n'entre en aucun cas dans sa composition. L'arbuste, appelé frangipanier, partage avec la crème frangipane son parfum, mais n'entre en aucun cas dans sa composition. Please write the missing things. Allez, don't be afraid to share your love. If you didn't yet click on the like, it is now. It is now the time to do it.
Alors, let's have a look at the missing things. The first one is arbuste. Hein. Keep in mind that arbuste is masculine. Un arbuste, and you write it A-R-B-U-S-T-E. After that, it's the verb partager. The verb partager is a regular verb. In that case, you conjugate it in the third person of the singular, P-A-R-T-A-G-E. Then parfum, substantive masculine, un parfum, P-A-R-F-U-M. And finally, composition, composition, a noun, a substantive that should be always feminine. Remember, I-O-N, it's feminine, C-O-M-P-O-S-I-T-I-O-N. L'arbuste, appelé frangipanier, partage avec la crème frangipane son parfum, mais n'entre en aucun cas dans sa composition. Thank you very much. On avait commencé l'histoire de France, souvenez-vous. On va continuer. On continue l'histoire de France. Toujours pareil, des dates, des titres assez court en tout cas, et puis je vous demande de décrire les mots qui manquent. Allez, 1882 ou 1882, ministère de Jules Ferry, décret sur l'enseignement gratuit, laïque et obligatoire de 6 à 13 ans. Ministère de Jules Ferry, décret sur l'enseignement gratuit, laïque et obligatoire de 6 à 13 ans. Écrivez les mots qui manquent. Alors, Womor nous rejoint. Bonjour, Womor. On fait un petit peu d'histoire et de dictée en même temps, comme d'habitude. Allez, nous étions à la recherche là de quatre mots. Normalement, c'est trois, mais j'avais envie quand même d'avoir le premier qui est décret. Pour votre information, décret, c'est un mot masculin, c'est un décret. On l'écrit des accents aigus, C-R-E-T. La deuxième chose, adjectif. Et donc, tout est au masculin, parce que enseignement, c'est masculin. Donc, premier adjectif, gratuit. G-R-A-T-U-I-T, masculin. Deuxième adjectif, laïque, masculin. L-A-I, tréma, C. Troisième adjectif, obligatoire. Souvenez-vous, un adjectif qui a la même forme au masculin ou au féminin. O-B-L-I-G-A-T-O-I-R-E. Obligatoire. Voilà. Eh bien voilà. Ministère de Jules Ferry, décret sur l'enseignement gratuit, laïque et obligatoire de 6 à 13 ans. Et donc ça, c'était en 1882. On va regarder la deuxième date. Deuxième date, eh bien, c'est 1887. Création de l'Indochine française. Création de l'Indochine française. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Chérilyn qui répète laïque, 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 laïque. Mais non!
Alors, dit user Vincent, comment puis-je faire pour avoir un bel accent comme le tien? Alors ça, c'est une bonne question. Bah écoutez, il faut demander à mes parents, peut-être. Premier élément, mes parents. Deuxième élément, la région d'où je suis originaire, c'est-à-dire les Pays de la Loire, où normalement, officiellement, nous n'avons pas vraiment d'accent. L'Académie française considère que je n'ai pas d'accent. Et puis, il faut passer, il faut habiter après à l'étranger, je ne sais pas. C'est difficile à dire. Allez, il faut être tranquille. N'essayez pas, the user, n'essayez pas de parler trop vite, c'est pas la peine. On a le temps, on est tranquille. Allez, regardons les trois mots, on cherchait trois mots. La première chose, c'est création. Création, c'est féminin, comme tous les mots en ion, ça c'est clair. Vous l'écrivez C-R-E, accent aigu, A-T-I-O-N. Deuxième chose, Indochine, là vous mettez la majuscule, hein, et donc c'est I-N-D-O-C-H-I-N-E, Indochine, et donc c'est France, enfin c'est féminin, pardon, et française, eh bien ça va être au féminin, c'est un adjectif, pas de majuscule pour le F. F-R-A-N-C, cédille, très important parce que c'est aussi dans mon nom. A-I-S-E, création de l'Indochine française en 1887. Regardons le numéro 3. Numéro 3, eh bien on y va. Attention, 1898. Affaire Dreyfus. Zola publie J'accuse dans l'Aurore. Affaire Dreyfus. Zola publie J'accuse dans l'Aurore. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Ah, il y a aussi posé la question laïque, laïque, oui, masculin, féminin. Chériline, bref, soyez né français pour avoir un bon accent. Mais non! Ah non, 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 c'est pas vrai, c'est pas vrai. J'ai personnellement eu des étudiants et ça, ils avaient un très très bon accent et de différentes nationalités. Hein. Non, 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 c'est pas lié à votre nationalité quand même. Allez, on regarde, nous étions à la recherche de trois choses. La première chose, c'est le verbe publier. Publier, ici, est conjugué à la troisième personne du singulier du présent. Publie, P-U-B-L-I-E. Le E final n'est pas prononcé et donc on prononce publie. Ensuite, c'est j'accuse. J'accuse, le verbe accuser, verbe du premier groupe. Au présent, à la première personne du singulier, j'accuse, A-C-C-U-S-E, la terminaison. Et puis finalement, c'était l'aurore, donc majuscule, parce que c'est le nom du journal. Et donc on écrit A-U-R-O-R-E, l'aurore. Affaire Dreyfus, Zola publie, j'accuse, dans l'aurore. Allez, on y va avec le quatrième. Quatrième, Imané qui dit il faut des siècles pour être... Non, non, non. Alors, Imané, j'ai vu des choses incroyables. C'est-à-dire que les gens apprennent à leur vitesse. Les gens ont des compétences différentes, mais j'ai vu des gens qui ont appris le français dans une période tellement courte que je n'imaginais pas que ce soit possible.
ça peut arriver, mais c'est rare. Et en général, les gens apprennent tous à leur rythme. C'est comme ça. Allez, numéro 4, et c'est 1900. Intervention des troupes françaises contre la révolte des boxers en Chine. Intervention des troupes françaises contre la révolte des boxers en Chine. Allez-y, écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, regardez, Ramsey qui dit « Oh, Vincent, your channel is fantastic. It's my pleasure, Ramsey. This live, it's only in French, okay? But if you want to have the French and English, remember that it will be on Monday. So Monday, and after that, it will be on Thursday. So there are two times during the week when it's in French and in English, but then the other days, it's only in French. » Alors, regardez, c'était quoi? C'était... Ah, Hen70 nous rejoint, bonjour! Très bien, on y va. Trois choses. La première chose, c'était intervention. Intervention, l'écrit I-N-T-E-R-V-E-N-T-I-O-N. Là, c'est au singulier, c'est une intervention. Encore une fois, c'est féminin, ça c'est clair. Deuxième chose, troupe qui doit être au pluriel, vous voyez l'article des, donc automatiquement, troupe doit être au pluriel, T-R-O-U-P-E-S. Et puis révolte, alors révolte, eh bien c'est un mot féminin. La révolte, comme la révolution, hein, une petite révolution, R-E accent aigu, V-O-L-T-E. Révolte, intervention des troupes françaises contre la révolte des boxers en Chine. Un élément important et très intéressant historiquement. Si vous ne connaissez pas, cherchez, ça peut vous intéresser. Numéro 5, ce sera la dernière chose pour cet exercice. 1905, séparation de l'Église et de l'État. Séparation de l'Église et de l'État. Allez-y. Alors, je regarde, oui, c'est bien, effectivement. Hein. Donc, première chose, séparation, encore une fois, c'est un mot féminin, puisque ça finit en ion. Séparation, S-E, accent aigu, P-A-R-A-T-I-O-N. Ensuite, église, pour votre information, c'est féminin, l'église. On l'écrit ici avec une majuscule, puisque nous parlons de l'institution. Nous ne parlons pas du bâtiment, mais de l'institution, l'église. E, accent aigu, G-L-I-S-E. Et puis la dernière chose, c'est l'État. Pour votre information, c'est masculin. État est masculin, majuscule aussi, E, accent aigu, T-A. Et oui, c'est en 1905 en France que la séparation de l'Église et de l'État s'est faite. Voilà, merci beaucoup et félicitations, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allemand
I was so scared. I was so scared because I didn't know where they were. Because we're not supposed to see that les démonstratifs. We saw that I wanted to work on les possessifs. So now we've got les possessifs. And we'll start with the first one. Please, could you translate that into French? But then the only thing that I would like you to do is to give me the two forms. So for the masculine and for the feminine. In that case, obviously, as you can see, we're talking about the pronouns. I am expecting some pronouns. So try to see if you can give me the masculine and the feminine. Go for it. Alors, oui, d'accord. Hein. So, let's agree on that. Brainwash, Oden Yesero. Let's try, in that case, to work on the pronouns, if that's okay with you. Because this is the idea of the exercise, just to try to work on the pronoun. Of course, if you say, c'est à moi, it's totally, totally correct. But let's try to see how we could use the pronouns, because it's, well, it's quite interesting to work on them. So the first one, c'est le mien, would be for the masculine form. And then, let's put the feminine form, c'est la mienne. So le mien would be for the masculine, la mienne would be for the feminine. So now we've got this structure. Now it must be clear for you. We will just continue like that. We will just respect the same logic. So obviously for the number two, it's yours. Let's keep the singular form in that case. Give me the masculine and the feminine, s'il vous plaît. Allez-y. And don't forget to click on the like, because I'm pretty sure that now we won't reach the 100 and I will cry. Alors oui, hein. So in that case, let's agree, Renato, that it should be the singular. So I was expecting the singular and not the plural form. So in that situation, c'est le tien would be for the masculine. So as we had, c'est le mien, first person. Now second person, c'est le tien, d'accord? For the feminine form, it will be c'est la tienne. C'est le tien, c'est la tienne. D'accord, everybody's talking about Gérard et Colette. I forgot the name of the kids, but I will have to find them again. Well, that's the way it goes, huh? Hey, you know, we cannot remember everything here. Alors, let's go for the third person, if you're okay with that. It is his. Same thing. I would like to have the pronoun, but then obviously the masculine and the feminine. Renato, je suis poli. But of course, I know that, Renato. Renato, you're polite and it's really good. And in that case, we're not really going for the politeness. We're just going for the grammar, unfortunately. Alors, in that case, yes, so c'est le sien and then c'est la sienne. So one more time, c'est le mien, c'est le tien, c'est le sien, c'est la mienne, c'est la tienne, c'est la sienne. So, of course, just for the form,
because I want to make sure if it's clear in your head, but then could you give me the feminine form for the third person of the singular? Let's try to see if it's different or not. Go for it. Alors, Ice Cube, Ice Cube's want to rebaptize the kids. Well, I'm not sure if it's properly. We should ask the parents first. Alors voilà, hein. So it was just for the form, because I just wanted to make sure that it was clear for you. So let's agree on the fact that whether it's masculine or feminine, it won't change in French. So third person of the singular will be always c'est le sien, c'est la sienne. D'accord? The fact that it's his or her, in that case, it doesn't really impact, at least in French. Let's go now for the first person of the plural, sorry. It is ours. How could you say that? Well, in French. Remember, masculine and feminine, please. Alors, je regarde. Oui, c'est très très bien. So, if you have this accent circonflexe on your keyboard, then this is the time to use it, because it should be definitely there. So it will be c'est le nôtre, c'est la nôtre. And in fact, by adding this circonflexe, it makes this O a bit deeper. So because normally when it's not there, notre, it's quite open, but this one will be notre. Hein? I tend to emphasize a bit too much, but still, this is the way it should be. So notre chien, but c'est le nôtre. D'accord, c'est le nôtre, c'est la nôtre. Numéro 6. Now we can go for the polite form. For the polite person of this group, or then just for the plural form. So go for it, please. Alors, d'accord, hein, très bien. So in that situation, it's not really tricky. It's exactly the same way as for the first person of the plural. But then in that case, it will be with the V. C'est le vôtre, c'est la vôtre. D'accord, so one more time. C'est le mien, c'est le tien, c'est le sien, c'est le nôtre, c'est le vôtre. Or then feminine form, c'est la mienne, c'est la tienne, c'est la sienne, c'est la nôtre, c'est la vôtre. And let's go now, I mean, it's quite logical, for the plural form. So how could you say that? One more time, please, masculine and feminine, or feminine and masculine. Allez-y. Thank you.
Oui, I can see that it's arriving because Mina was the first one. So, yes, it will be c'est le leur if it's masculine, or then c'est la leur for the feminine form. So one more time, I will recap the whole thing. C'est for the masculine. C'est le mien. C'est le tien. C'est le sien. Then for the plural, c'est le nôtre. C'est le vôtre. C'est le leur. So that was for the masculine. Now we go for the feminine. C'est la mienne, c'est la tienne, c'est la sienne. And then for the plural, c'est la nôtre, c'est la vôtre, c'est la leur. D'accord? I mean, it's not extremely rare, I mean, to use these pronouns, but then one more time using the pronouns, it's totally optional because it's your decision to use them or not. Yet French people, in fact, will use them. So it's extremely important for you to, in fact, be able to, well, I mean, notice them and exactly understand what they mean. D'accord? Merci beaucoup. Allez, we were waiting for this one, the dictation of the day. The dictation of the day, well, as you know, I will read some sentences. These are sentences that we've been working on already. And then I will read them twice. You just need to write them. And the first one is, je prends le train avec elle. Je prends le train avec elle. So try to write it. Merci. Wow, I am so surprised by Yossi because it goes so fast now with your router. I mean, félicitations, Yossi. Hein? It goes really fast. Cosmina, I mean, well, she's got the vaccine and the 5G, so of course it goes fast too. Alors, in that case, I wanted to go with the verb prendre, hein, the one that we saw. And then, so we agree that when you conjugate that in the present form, je prends, P-R-E-N-D-S. Then, le train should not be really difficult. Avec, normally this preposition is not a problem. And then, elle, obviously. Très bien. Sonia qui nous dit, je serai bientôt de enseignante de français. J'étais en train de chercher des vidéos. Ok, bon courage, Sonia, ça va marcher, vous inquiétez pas. Enseigner le FLE, c'est formidable. Allez, on continue, let's have a look at the second one. Second one is... Eh oui, Yossi a aussi fait le vaccin, Cosmina dit. And it's true, Yossi has got the vaccine, and that's the reason why Cosmina is in second position, Yossi first position, because they've been vaccinated. I am just waiting for it now. Allez, numéro 2, attention, nous allons manger avec eux. Nous allons manger avec eux. Write me the sentence, please. D'accord, hein? So because it's the beginner level, so I don't want to give you, difficult sentences. So in that case, remember the verb is manger. In this situation, I wanted to put this futur proche. Remember, futur proche, we're using the verb aller that will conjugate in the present. So nous allons. Second thing, of course, manger in the infinitive because it's coming right after allons. Then avec, remember that what comes after this preposition avec will be what we'll call les pronoms toniques. Avec moi, avec toi, avec lui, avec elle, avec nous, avec vous, avec
E, and this is the one, so masculine plural, E-U-X, avec L, feminine plural. So in that case, it was E. Nous allons manger avec E. Très bien. I'm looking at your things. No, so far so good. Remember, Gordon, your manger should be in the infinitive. D'accord? So you should put the R. Remember, the form for the infinitive of manger is M-A-N-G-E-R. Allez, let's have a look at the next sentence. So the next sentence, exactly the same thing here. I will read it twice. Elles viennent de les rencontrer. Elles viennent de les rencontrer. Allez, write the sentence. Alors, yeah, I'm looking at your things and it's usually a common difficulty to really feel the difference, especially when we're talking about the pronouns in that case, whether it's le or les. I tried to be as clear as I could to emphasize on the fact that it was les, the plural, and not le. It seems that some of you heard the le. Don't worry, it's a common mistake because the difference between the two is extremely, extremely thin. So, elles viennent. So, in that case, it's the verb venir because, as you can see, this is the past, the recent past. Elles viennent de les, and it's the plural form, rencontrer. Rencontrer should be in the infinitive form because it's coming after venir, that is conjugated. Okay? And then your pronoun les should be definitely before your verb rencontrer because remember, les in that situation is pronoun complément d'objet direct. Elles viennent de les. Rencontrer. Be careful with the les, and it was not le. So if I make the difference between the two, just to be clear, elles viennent de le rencontrer. Elles viennent de les rencontrer. Hume is asking de plus les égale des. Non, Hume, because in that situation, les, here, it's not an article. It is not an article at all, it's a pronoun. It's pronoun complément d'objet direct. And it's extremely important that this pronoun must stay here, because basically after that I won't understand anything. So, elles viennent de me rencontrer. Elles viennent de te rencontrer. Elles viennent de le rencontrer. Elles viennent de la rencontrer. Elles viennent de nous rencontrer, elles viennent de vous rencontrer, elles viennent de les rencontrer. In that situation, because it's not an article at all, you must keep the les. It's a pronoun. Allez, on continue avec the next one. And the next one is this one. Je ne veux pas le faire. Je ne veux pas le faire. Write, please, the sentence. «
Voilà, so same thing here, because you know that I like to squeeze as many pronouns as I can. So it's exactly the same thing here. Hein? Je ne veux pas, so we've got the negative form. That impacts, in fact, the first verb, so conjugated. So je ne veux pas. And then second verb, so faire. That must be in the infinitive form, because it's coming right after the, that is conjugated. And then le, the pronoun, obviously should be there. It's a pronom complément d'objet direct, one more time. So, je ne veux pas le faire. It could be possible, Gordon, to say je ne veux pas la faire. It means that in that situation, la should be replacing something that was mentioned before, and that is feminine. D'accord? Je ne veux pas le faire. Je ne veux pas la faire. In that situation, I wanted to pronounce the le, d'accord? Je ne veux pas le faire. Why? Ice cubes. Ice cubes, and she continues the sentence. Parce que je suis libre, nous dit Ice cubes. Allez, aujourd'hui, on va aussi faire des expressions idiomatiques. Donc, j'essayais de réfléchir comment construire l'exercice, parce que c'est pas toujours très très facile. Donc, nous allons tester ça ensemble. Regardez, je vais vous proposer en fait de découvrir une expression idiomatique. L'expression idiomatique, eh bien, c'est celle qui devrait être dans la case orange. Je vous propose la traduction, c'est-à-dire la signification de cette expression dans la case verte. Et dans la case bleue, je vous propose une traduction littérale de cette expression idiomatique. D'accord ? Nous commençons avec la première expression idiomatique. Et donc la signification c'est « to be a hit », mais en français, en français, vous devrez écrire cette expression et ce sera la traduction de « to make a tobacco ». Je sais, c'est comme ça. S'il vous plaît, écrivez-moi l'expression idiomatique. Alors, Cassandra nous rejoint, et puis le Mona aussi, et on n'oublie pas, s'il vous plaît. De cliquer sur le like avant d'écrire cette expression idiomatique. Et oui, effectivement, l'expression idiomatique, eh bien, c'est « faire un tabac ». Faire un tabac, c'est l'expression que l'on utilise pour exprimer que, ou pour dire que quelque chose est extrêmement populaire, quelque chose marche, quelque chose, eh bien, oui, fonctionne très bien. C'est faire un tabac. Faire un tabac, ça n'est pas faire du tabac, Ice Cubes, c'est faire un tabac. C'est l'expression idiomatique que l'on utilise. Allez, découvrons la deuxième expression idiomatique. Cette expression veut dire « It's not easy, it's hard work ». Mais la traduction littérale de cette expression, eh bien, c'est « To not be a pie ». Allez-y.
Alors, je regarde, qu'est-ce qu'il y a? Julia commente mes lunettes rouges. Qu'est-ce qu'elles ont, mes lunettes rouges? Je les trouve plus sympathiques. Personnellement, je les trouve plus sympathiques que les bleus. Eh bien, voilà. Alors, regardons ce que vous mettez. Je vous laisse travailler encore. Alors, voilà, donc ne pas être de la tarte. Ce n'est pas de la tarte. Ce n'est pas facile, c'est difficile. Et c'est vraiment l'expression idiomatique que l'on va utiliser. Faire cet exercice, ce n'est pas de la tarte, ça veut dire que c'est difficile. Allez, on continue avec la troisième expression idiomatique. La voici, la voilà. C'est une expression qui va dire ou qui va exprimer It's the end ou alors It's difficult to continue. Et la traduction littérale de cette expression idiomatique, c'est It's the end of the beans. It's the end of the beans. Allez-y. Alors, je regarde, et oui, c'est formidable. Vous découvrez peut-être des expressions, en tout cas, j'espère que pour vous, c'est quelque chose de nouveau. C'est toujours intéressant. Ice Cube qui propose la fin des granules. Non, c'est pas les granules, c'est les haricots. C'est la fin des haricots. C'est la fin des haricots. Eh bien, c'est une expression idiomatique que l'on utilise pour dire que ben, c'est la fin. Ou alors c'est très difficile, je n'y arrive pas. Et je ne vois pas d'issue, je ne vois pas de possibilité. La fin des haricots. Allez, on regarde. Attention, numéro 4. Numéro 4. Spitting image, ça c'est la signification en vert. Mais la traduction littérale, c'est en bleu et c'est all spat. Comment est-ce que vous pourriez traduire cela pour me donner l'expression idiomatique française? Alors, effectivement, hein, vous commencez à timidement me proposer tout cracher. Eh bien oui, c'est l'expression idiomatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez un enfant. L'enfant vous fait penser à sa mère ou à son père parce que son visage, les traits de son visage sont exactement les mêmes. Vous pouvez dire à... cet enfant, c'est son père ou sa mère tout craché. Ça veut dire que effectivement, ils se ressemblent. Et ça, c'est vraiment, vraiment une expression qu'on peut entendre assez facilement. Allez, la dernière pour cette série. Attention, to be okay, to be all right, to work. Et la traduction littérale, c'est it works ou it walks. Comment pourriez-vous, eh bien, traduire ça pour avoir l'expression idiomatique
en français, s'il vous plaît. J. Vincent, je déteste cracher. Mais moi aussi. Moi aussi, J. Vincent, ça n'était pas la question. Alors oui, ça c'est un grand classique, ça marche. Ça marche, hein, effectivement, c'est l'expression idiomatique qu'on va utiliser très 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 facilement. Donc, et pour exprimer « to be okay »,« to be alright »,« to work », eh ben oui, ça marche, pas de problème. On peut dire « ça roule » aussi, hein, « ça marche » ou « ça roule » si vous préférez. Oh, The Lotus Beauty est avec nous et Amanda Yeo. Bonjour, bonjour. Alors, comme vous le savez, hein, avant de découvrir les interviews de Monsieur Loubouta, nous allons quand même faire la boisson du jour. La boisson du jour, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une boisson assez classique en France et ça s'appelle le perroquet. Le perroquet, qu'est-ce que c'est? Eh bien, écoutez, nous allons découvrir ça ensemble, si vous voulez bien, avec la première chose. Comme d'habitude, je vous lis le texte et vous notez les choses qui manquent. Rachel d'Israël nous rejoint. Bonjour Rachel et Kirouba. Allez, on attaque. Le perroquet est un cocktail réalisé à base de pastis, de sirop de menthe et d'eau. Le perroquet est un cocktail réalisé à base de pastis, de sirop de menthe et d'eau. S'il vous plaît, écrivez les choses qui manquent. Alors, Chériline qui nous rejoint. Bonjour, Chériline. Lilou nous rejoint aussi. Et Chériline me pose la question habituelle. Combien de kilomètres? Chériline, je vous réponds, 15. Alors, on est d'accord, ça commence à arriver. Perroquet, eh bien, attendez une seconde, bien sûr. La machine est capricieuse, voici, voilà. Le perroquet, c'est masculin, substantif, on l'écrit P-E-R-R-O-Q-U-E-T. Ensuite, réalisé doit être au masculin, puisqu'il est connecté à cocktail. Réalisé, R-E accent aigu, A-L-I-S-E accent aigu. Pastis, eh bien écoutez, c'est masculin, le pastis, un pastis, P-A-S-T-I-S, et finalement menthe, substantif féminin, la menthe, M-E-N-T-H-E. Le perroquet est un cocktail réalisé à base de pastis, de sirop de menthe et d'eau. On continue avec le numéro 2. Il possède une couleur verte rappelant celle du perroquet vert. Il possède une couleur verte rappelant celle du perroquet vert. Écrivez les choses qui manquent. Alors, Yessero nous rejoint. Bonjour Yessero, comment allez-vous? Est-ce que la vie est belle, Yessero? J'espère que vous allez bien.
Alors, on regarde ensemble. Le premier, c'est le verbe posséder. Verbe posséder du premier groupe. Attention, c'est un verbe un petit peu difficile pour l'accent grave, comme d'habitude. Je, tu, il. Accent grave, je possède, tu possèdes, il possède, ils possèdent au pluriel. P-O-S-S-E, accent grave, D-E. Ensuite, verte, qui doit être au féminin, parce qu'il est connecté à couleur. Couleur, c'est féminin, donc votre adjectif vert doit être au féminin, verte. V-E-R-T-E. Ensuite, celle, eh bien, vous l'avez bien écrit, C-E-L-L-E. Allez, il possède une couleur verte rappelant celle du perroquet vert. Troisième chose concernant ce cocktail. Dans un verre rempli de glaçons, versez 4 centilitres de pastis et un peu de sirop de menthe. Dans un verre rempli de glaçons, versez 4 centilitres de pastis et un peu de sirop de menthe. Écrivez les choses qui manquent, s'il vous plaît. Alors, Alberto nous rejoint. Bonjour, Alberto, comment ça va? Alors, regardons ensemble. Oui, hein, vous avez bien tout entendu. Je dis bravo. La première chose, c'est dans. Et dans, on l'écrit D-A-N-S. Ça, c'est clair. Rempli doit être au masculin, forme basique, puisqu'il est connecté à vert. Vert, c'est masculin. Rempli doit être au masculin. R-E-M-P-L-I. Ensuite, glaçon. Glaçon, bien sûr, on va le mettre au pluriel. J'ai L-A-C-C-D-I-O-N-S, masculin glaçon. Pour votre information, un glaçon, le glaçon. Peu, P-E-U, ça, pas de problème. Dans un verre rempli de glaçons, versez 4 centilitres de pastis et un peu de sirop de menthe. Allez, numéro 4. Versez de l'eau plate à votre convenance. Versez de l'eau plate à votre convenance. Écrivez, s'il vous plaît, les choses qui manquent. Alors, Yesero, oui. Yesero, vous savez, il y a beaucoup d'adjectifs, en fait, qui ont la même forme que les participes passés. Ça n'est pas rare, ça n'est pas rare. Alors, regardons ensemble. La première chose, c'est le verbe verser, verbe régulier du premier groupe. Ici, vous voyez que c'est l'impératif verser, V-E-R-S-E-Z. Ensuite, plate. Plate au féminin, puisque c'est connecté à eau. Eau est un substantif féminin, une eau. L'adjectif doit être au féminin, P-L-A-T-E. Et finalement, convenance, convenance substantif féminin, une convenance, la convenance, C-O-N-V-E-N-A-N-C-E. Versez de l'eau plate à votre convenance. Numéro 5, mélangez à l'aide d'une cuillère à cocktail et déguster bien frais. Mélangez à l'aide d'une cuillère à cocktail et déguster bien frais. Allez-y.
Alors, Riena qui nous rejoint. Bonjour Riena, comment allez-vous? Alors, regardons ensemble les choses. La première chose, c'est le verbe mélanger, verbe régulier du premier groupe. Et ici, c'est l'impératif. M-E, accent aigu, L-A-N-G-E-Z. Ensuite, c'est cuillère, substantif féminin, une cuillère. La cuillère, C-U-I-L-L-E, accent grave, R-E. Déguster, verbe régulier du premier groupe, impératif, D-E, accent aigu, G-U-S-T-E-Z. Et frais qui doit être ici, tout simplement au masculin, F-R-A-I-S. Mélanger à l'aide d'une cuillère à cocktail et déguster bien frais. Numéro 6. En Belgique, perroquet désigne plutôt un mélange de bière et de sirop de menthe. En Belgique, perroquet désigne plutôt un mélange de bière et de sirop de menthe. Allez-y. Alors, Zayn ou Zan nous rejoint. Comment ça va? Bonjour, bonjour. Alors, regardons ensemble. Belgique, bien sûr, c'est un pays, donc avec une majuscule, B majuscule, E, L, G, I, Q, U, E. Ensuite, c'est le verbe désigner, verbe du premier groupe, ici, troisième personne du singulier, D, E, accent aigu, S, I, G, N, E. Ensuite, c'est mélange substantif, qui est masculin, un mélange, le mélange, M, E, accent aigu, L, A, N, G, E. Et finalement, bière, eh bien, substantif féminin, une bière, B-I-E, accent grave, R-E. En Belgique, perroquet désigne plutôt un mélange de bière et de sirop de menthe. Voilà, voilà, merci beaucoup. Alors, le café du jour. Le café du jour, eh bien, c'est une nouvelle rubrique et j'aurai l'occasion dans cette rubrique de vous présenter différents cafés, peut-être à Paris ou dans d'autres villes de France. On va voir. On va commencer avec un grand classique. Si vous êtes à Paris, en général, vous avez probablement envie d'aller peut-être au café de Flore, il faut y aller. C'est assez sympathique comme endroit. Et puis, vous n'êtes pas obligé de manger. Vous pouvez juste prendre un café et une petite pâtisserie. Il passe avec le chariot de pâtisserie. C'est formidable. Allez, on attaque avec la première chose. La première chose, eh bien, comme d'habitude, je vais le lire. Et vous allez écrire les mots qui manquent. Je vais le lire deux fois. Le café de Flore est un célèbre café-restaurant parisien du quartier Saint-Germain-des-Prés dans le 6e arrondissement. Le café de Flore est un célèbre café-restaurant parisien du quartier Saint-Germain-des-Prés dans le 6e arrondissement. Écrivez les mots qui manquent. Merci. «
Alors, je vois que ça commence à arriver. Trois choses, comme d'habitude. La première chose, eh bien, c'est un adjectif. L'adjectif, c'est célèbre. Célèbre, si c'est au masculin ou au féminin, c'est la même chose. Donc, vous l'écrivez C-E accent aigu, L-E accent grave, B-R-E célèbre. Deuxième chose, c'est un substantif. Quartier, souvenez-vous, on va l'écrire Q-U. Hein, le U doit être là. Donc Q-U-A-R-T-I-E-R. Je regarde et c'est bien, quartier, pas de problème. Tout le monde l'a bien écrit. Et puis finalement, arrondissement. Oui, non, c'est bien écrit. N'oubliez pas deux R et deux S. A-R-R-O-N-D-I-S-S-E-M-E-N-T. Arrondissement. Allez, on continue avec la deuxième chose concernant eh bien, le café de Flore. Il est situé au coin du boulevard Saint-Germain et de la rue Saint-Benoît, à côté de la station de métro Saint-Germain-des-Prés. Il est situé au coin du boulevard Saint-Germain et de la rue Saint-Benoît, à côté de la station de métro Saint-Germain-des-Prés. Écrivez les mots qui manquent. Merci. Alors, je regarde, et apparemment, ça a l'air d'être très bien. Alors, attention, première chose, eh bien, situé doit être au masculin, puisque vous voyez que c'est il. Il est situé, donc S-I-T-U-E, accent aigu. Ensuite, c'est un substantif, c'est boulevard. En général, ce n'est pas très difficile, je regarde. Oui, non, ça a l'air bien, vous écrivez bien. Boulevard, donc n'oubliez pas, B-O-U-L-E-V-A-R-D. Un boulevard, le D final n'est pas prononcé. Et puis finalement, côté, à côté de, côté, idéalement, deux accents, C-O, accent circonflexe, le fameux chapeau, et T-E, accent aigu. À côté. Allez, on continue. Troisième chose concernant le café de Flore. Ce café est un lieu historique du tout Paris littéraire, philosophique, culturel et artistique. Ce café est un lieu historique du tout Paris littéraire, philosophique, culturel et artistique. Alors, je regarde, bizarrement, YouTube me lance un message en me disant qu'il n'y a pas une connexion. C'est mystérieux des fois. Si la connexion est bizarre, dites-le moi. Allez, on regarde trois choses comme d'habitude. La première chose, eh bien, c'est un substantif et c'est un lieu. Lieu, on l'écrit, oui, L-I-E-U. Victoria avait un doute, mais c'est bien. L-I-E-U, très bien écrit. Alors, pas Victoria Jacques, pas de pluriel. Hein, le X, c'est pour le pluriel, d'accord? Mais donc, singulier, juste L-I-E-U. Après ça, vous avez deux adjectifs. Le premier, c'est l'adjectif philosophique. Philosophique, eh bien, regardez, souvenez-vous, Yann, que philosophique, hein, les mots en ic, exception publique. Les autres, c'est I-Q-U-E. D'accord ? Donc philosophique, P-H-I-L-O-S-O, P-H-I,
Q-U-E. Et puis la dernière chose, c'était artistique. Même concept, Q-U-E à la fin, masculin ou féminin. Philosophique ou artistique, ce sera la même chose au masculin ou au féminin. Allez, on regarde ensemble les trois choses. Pour le café de Flore, s'il vous plaît, faites la lecture avec moi. Mais bien sûr, avant de lire avec moi, si vous n'avez pas cliqué, c'est l'occasion. Ah, je vends le clic. Je veux du like, s'il vous plaît. Idéalement 100. On y arrive. On va les faire. Je suis optimiste. Première chose. Le café de Flore est un célèbre café-restaurant parisien du quartier Saint-Germain-des-Prés dans le 6e arrondissement. Deuxième chose, il est situé au coin du boulevard Saint-Germain et de la rue Saint-Benoît, à côté de la station de métro Saint-Germain-des-Prés. Troisième chose, oh ça fait quatre! Troisième chose, ce café est un lieu historique du tout Paris littéraire, philosophique, culturel et artistique. Voilà. Si vous avez l'occasion, allez au café de Flore. En général, il y a beaucoup de monde. Soyez patient. Allez-y le matin, peut-être. Si vous y allez à midi ou aux heures des repas, c'est pas bon. Il y a trop de monde. Merci, finalement, nous avons réussi. So finally we made it. Yeah! Allez, the number of the day, you know how it goes. The numbers of the day, in fact, it's quite simple. It is quite simple, I mean the concept. So I will read some numbers and you just need to write them. D'accord? So we'll start with two digits, the first one. I will read it only twice, so you need to be careful, be careful. 31. 31. Allez-y. 31, so far, so good, so in that case, no problem, it was 30, 30, and then 1, 30, et 1, 31. Second one, remember, we'll have three digits in that case, same thing here, I will just read it twice. 902, 902, write the number. 1. Alors, je dis bravo, bravo, bravo. No, it's really good. So far, so good. No mistakes. Prasad was a bit generous because you've been adding two more zeros, which is not really reasonable, but still, you had the concept. So, 902, remember, 900, 900. And then after that, you just need to put 2, 900. Deux. Allez, let's continue. In that case, as you can see, we'll have, in fact, four digits. So let's go for it. 4652. 4652.
Alors, je regarde, et donc là, jusqu'à maintenant, pas de problème. It seems that it was in fact quite clear. So, 1000, 4000, 4000, 100, 100, 600, 600, 4000, 600, and then 52, 52, 4652. Let's be brave because now we'll have 5 digits. 5 digits, so let's go for it. Attention, attention. 87 672. 87 672. Alors, Dundup is joining us. Bonjour, bonjour, Dundup. You're welcome. We're doing an exercise based on the numbers and it's a bit tricky. Try to join. Alors, 87 672. Allo, Kaisa, you were extremely close. I mean, the only thing was the first one. You went for 47, allo, Kaisa, but it was 87. It's a common mistake. Don't worry, you will correct that. We just need to work on that. As you can see, the others, it was quite good. Bickert, you were a bit too generous, and it's always a quality to be generous, but not for the exercises. Pour les exercices, Bickert, c'est bien d'être généreux, mais pas trop généreux. Et là, vous étiez dans 97, mais c'était 87. Hein. So remember that in that case, it should be 87, 87, and not 97. 97. The other tricky thing is to, well, yeah, as Allo Kaisa had the same mistake as Olga Ruiz too. Remember, it's a common one, it's not a problem, you will work on that, so don't worry. 47 and 87, okay? Remember, 47, 47, 87, 87. So in that case, it was 87, d'accord? Bickert qui dit « Oh !» C'est pas grave. Allez, let's be crazy, because now it's the last one. And this one is specially done, we all know that, for Monsieur Yossi, because Monsieur Yossi wanted to have the three digits things. And well, I did that only for him. Allez, Monsieur Yossi, I hope you're still here. On y va. 923 045. 923 045. Allez-y. Alors, I'm pleased because Yossi was the first one to answer and it's properly written. Bravo, bravo. Cosmina is right after. Ice Cube, who became a specialist in the numbers now. It's just a formality for her. Vous, là, je dis bravo. So, in that case, hein, so 923 and at 1000. And after that, the tricky thing was maybe the 45, because I didn't put anything for the 100. So 45, 0, 45. 923 045.